Bienvenue à l'hôtel Arawak. L'objectif du club ce soir, c'était de remercier tous nos partenaires qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, de faire découvrir aussi aux autres partenaires éventuels qui nous, l'objectif, le projet de l'USR, afin qu'ils puissent nous rejoindre. Le but aussi, c'est que ces partenaires se rencontrent entre eux, pour que demain, s'ils ont des affaires à faire ensemble, ils puissent les faire. Tout ça sur un secteur footballistique, on va dire, et ça, c'est assez sympa. Et on regarde l'USR avec un œil plus qu'amical et plus que bienveillant et plus qu'accompagnateur pour ce que fait l'USR en matière d'accompagnement vis-à-vis des jeunes, pour son rôle social, pour son rôle sociétal. C'est important, c'est beau, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure qui se poursuit avec un président, Henri Yacou, qui propulse justement le club. Donc voilà, c'est quelque part une affection particulière vis-à-vis de ce club. Henri Yacou est un gars extraordinaire, un meneur d'hommes. Et effectivement, il a su nous motiver dans son aventure. Et maintenant, on essaie d'en faire pleinement partie. Et à partir de là, on devient forcément un soutien fidèle à l'USR. Le projet m'a honnêtement bluffé. J'ai trouvé ça fou, hein, de passer de 50 000, 60 000 euros de budget à 500 000 euros de budget, avec une volonté de se professionnaliser, avec le choix de recourir à un directeur général, avec qui j'ai aussi lié d'amitié très rapidement. Ce sont des valeurs aussi, hein, des valeurs auxquelles j'ai adhéré. C'est